sur YouTube. Suite de nos aventures sur Open Country, nous devions chercher la caravane de ces morts. On va faire un truc, c'est cheaté, mais c'est pas la première fois. Nous allons spotter en avance. Je suis où ? Au secours. Ok, donc en fait on a deux endroits qui sont par ici, qui sont dans, vraiment dans le prolongement du chemin a priori, si on peut appeler ça un chemin. Donc on va aller voir ça. Et peut-être que par chance on tombera sur le camping-car. Le fameux. Donc on a l'étang et juste au-dessus, ok. Donc là, ici. Et juste au-dessus, genre c'était à peu près par là. Voilà. Ok, et donc on part direction sud-ouest, même si la quête nous dit, ouais, quelque part vers le sud. On va se dire que c'est peut-être au sud-ouest, hein. Mathématiquement, ça reste le sud. Dommage. Si je réagis 1000 ans après aussi. Bon, et nous avons le couteau. Couteau qui nous permet de dépecer. Donc finalement on a acheté une... Merde. On a acheté une hachette pour rien. Peut-être que ça nous servira plus tard, pas sûr. Bon, faut que j'arrête de bourrer comme un con. Là, je pourrais mettre la BO de Skyrim ou de The Witcher sur ce jeu. Ça passerait bien. Ok, full west. Ah, est-ce que je vais pouvoir grimper ? Si. L'arnaque. L'arnaque suprême. C'est bon, ça passe. Juste pas que je me fasse bait par des loups. Eh, ça fait très grotte ça là-haut. Hein. Ok, on ira peut-être après. Attends, mais j'étais pas là tout à l'heure. Ça fait grande. Mais plusieurs fois on s'est fait bait hein, comme ça par des trucs qui ressemblaient à des grottes et puis finalement c'était juste un passage à la con. Pour l'instant. Ah c'est une antilope, yes. Pour l'instant on n'a pas vraiment trouvé de vrai spot mystique stylé. Ah. C'est peut-être ça la fameuse grotte hein. Ce qui en soi est pas forcément crédible à la carabine. Normalement quand tu chasses tu vises le cœur, pas la tête. Et tu chasses pas le petit gibier comme ça avec un calibre qu'est-ce que c'est que ça. Porc épique. On peut... Pourquoi se priver ? Non mais après c'est vrai que par exemple le lynx, on a essayé de lui tirer dessus à la carabine. Ça l'avait pas one shot, mais faut voir. Hein. Il y a sûrement une localisation
de tir. Et peut-être qu'on peut, si admettons, on vise bien le cœur ou la tête. One shot. Bon, les loups, c'est sûr que non, hein, ça one shot pas même la tête. Pour avoir fait l'expérience, voilà. Bon, et là, alors c'est pas la première fois, pareil, que on map des points. Et finalement, quand on arrive sur place, il n'y a rien du tout. Donc c'est peut-être des spots qui deviendront legit plus tard, quand on avancera dans le jeu. Mais pour l'instant, là, il n'y avait rien. Eagle Eyes, ok. Donc Eagle Eyes, c'est ici. Ah, peut-être des... Ah, peut-être des pigargues. Des Nathalie Susco-Morizet. Par contre, faut que je trouve le moyen de grimper. Bon, du coup, c'est officiel, la caravane, elle est pas là. Hein. Putain. Ah ouais, alors ça, par contre. Bon, là, le Dovahkiin, c'est pas possible. Non, mais je veux grimper, je veux aller Eagle Eyes. Je veux voir. Hein? Ah! Tache de sang, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est là. C'est là, c'est là. C'est sûr. Sorte de feu de camp improvisé en pierre. Mais what the fuck? Attendez. Le fourgon du chasseur quelque part au sud. Le fourgon. La question c'est... Bah déjà on n'a jamais vu le fourgon. Et s'il est là-haut, comment il a fait pour le monter? Ou alors c'est juste de l'autre côté, je suis un connard. Mais bon, il y a l'étage de sang de l'autre côté. Donc en théorie, c'est qu'il est monté par là. Ah, il y a l'étage de sang là. Vas-y, je vais maintenir L1 pour juste marcher. Et par contre, le chien, au fait. On a perdu le chien. Bon, par contre, mec, si tu me demandes des plantes à la con pour te faire un vrai bandage, désolé, mais je les ai plus. Hein. En même temps, le mec, il est blessé, il se tape l'escalade du Mont Blanc, là. Il est là. D'accord. Donc, il n'y a rien. Voilà, il y avait juste lui. Yo, mec. Vous savez quoi? Le script se déclenche pas parce que j'ai pas trouvé le fourgon. Voilà. Merci Amaury. Je n'ai pas trouvé le fourgon, donc... En faisant le chemin inverse... Ouais, 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 bah de toute façon c'est ce qui est prévu. Hein.
Et ça, c'est con quand même. Parce que je le trouve. Je veux dire, il y a un moment donné, faut arrêter de déconner. Mais non, il faut que je trouve le fourgon pour que le script s'active, pour que je suive les traces de sang. Mais du coup, va le trouver son putain de fourgon. C'est ça, hein? Donc nous, on est passé par là. Donc son fourgon, peut-être qu'il est pas loin. Bon, il est soit par là, soit par là. Non, mais c'est dommage, en fait. Parce que c'est... Ouais, il sera pas par là. Ah, remarque. Ouais, c'est dommage, parce que c'est... ça rend la quête pénible. Alors qu'en soi, on a fait notre table d'exploration. On l'a trouvé. L'urgence, c'était pas de trouver le fourgon, c'était de le trouver lui parce qu'il était blessé. Bon, attendez, je vais essayer d'appeler le chien. Et on va boire un coup. Ouais, c'est un peu pénible, hein. Et là, pour le coup, c'est pas un micro défaut, hein. C'est un défaut assez vénère, je trouve. Ou alors le fourgon est là, il est monté en PLS jusque là, mais what the fuck en fait. Voilà, le problème c'est que j'ai pas trop de visuel. Petite marmotte. Bon, en gros, il est arrivé là en PLS. Je veux dire les taches de sang. Ouais, mais le problème c'est que les taches de sang elles commencent ici pour te montrer le chemin. Alors que sur le papier, il s'est fait blesser avant. Merde. Il s'est fait blesser avant. Et ça se trouve, vraiment, le fourgon est très très loin, mais genre vraiment plein sud par rapport au spawn. Oh là là, et je spread mes balles comme un con. Bah, le souci c'est que là mon perso il a sommeil.
qu'il y a un moment où je vais être obligé de repartir à la caravane. Vieux réservoir. D'accord. Bon, on peut aller voir, hein. Au pire. Mais ça fait quand même chier, je sais où il est lui, mais il faut impérativement que je trouve son wagon. Attends, je suis en train de me demander un truc là. Non. J'ai le premier objectif, trouver le fourgon. Donc c'est obligatoirement trouver le fourgon first. Ah mais attends, dans les petites cabanes comme ça, souvent je peux dormir. Bon, et le chien, on sait pas où il est, hein. J'ai entendu un truc, hein. Juste au cas où. Des loups. Ah, mais s'il y a des loups ici. Bah ouais. Il dépoppe sous mon nez. C'est chiant ça. Oh non, vas-y, vraiment. Ah, bon, les cordes, hein, voilà. Mon tissu, ça a l'air quand même assez important. Ouais, j'avoue, genre, il dépop vraiment au bout de 10 mètres, hein. C'est un peu la mort. Alors, il y a des endroits comme ça, souvent il y a des items à ramasser. Ah. En fait, je vais peut-être pas pouvoir dormir ici. Merde. Non mais peut-être que justement là on va trouver le fourgon et que derrière on va se taper un script, genre on va nous appeler au talkie pour nous dire ouais en fait il est remonté ou il s'est isolé. Ça me paraît bien loin quand même. Le chien, je sais pas. Hein. J'espère qu'il est pas mort en fait. Parce que tout à l'heure, il s'est pété la gueule. Ah, mais attends. Parce qu'il avait faim, le chien. Et j'ai zappé le nourrir.
Oh non. Il est là, Bob. Parle-moi, Bob. Ok, ça nourrit. Oh, oh la frayeur. Et c'est peut-être pour ça qu'il, qu'il était pas là pendant un moment en fait. Il y avait un temps de recovery. Ok. Donc je peux pas aller là-dedans. Donc, ouais, il y a des endroits comme ça, on peut pas. Peut-être je pense que le perso ne sait pas nager. Ah, c'est à l'ancienne. Hein. J'ai dû louper son fourgon quelque part par là. Ouais, parce qu'il y avait un chemin de l'autre côté. Alors même si ça correspond pas trop à l'endroit où on avait les taches de sang. Peut-être que... Ouais. Ah oui, non, mais faut pas que je cours. Après, le mec s'est peut-être blessé en se pétant la gueule en fourgon. Là, je vois rien. Ouais, et là, on est de retour ici. Bon. Du coup, on va suivre ce chemin-là. Peut-être que le fourgon sera par là. Là, c'est vraiment la misère. De toute façon, souvent, suivre le chemin, c'est la solution. I should turn back. Ah, ben voilà! De 1. Enculé. Bon. C'est bon, là, la fourgonnette. Bon, les bâches, rip. Bob, t'es où? Toujours pas.
Bob. Bob, reviens. Bon, Bob, j'ai pas l'impression qu'il m'aide pour l'instant, hein. Concrètement. On l'a. Bon, on sait où aller, du coup, on a le temps de valider la quête et de repartir pour faire un petit bilan des... Oula. Le carnet de voyage qui a été laissé sur le capot. Hein. Lisez le journal. Non, j'ai pas le temps. Where to now? Il a fui? Le fumier. Bon, je pense qu'il a fui. Le temps semble propice à la chasse au gros gibier. Il paraît qu'on trouve des cerfs autour d'Eagle Eyes. Ok, bon, bah c'est bon, j'ai l'info. Bon. Ça, c'est bon. On va passer par là parce qu'on sait que par là on s'amène directement là où on veut aller. Ah mais mes inventaires c'est un problème hein. Parce que là si je l'avais dégommé le loup, bah entre sa peau et la viande, j'aurais pas eu du tout assez de place. Et pourtant, on voyage léger. Hein. C'est ça le pire. En fait, les quêtes seraient peut-être un peu plus dirigistes, dans le sens où on te donnerait un peu plus une vraie direction par rapport à... Je dis une connerie, mais par rapport au fourgon. Il a pris 4 bastos. Mais les loups, tu ne peux les avoir que si tu les as en face à face collés. Bon. Ah oui, une belle trace de sang. There it is. Where to now? Well, this can't be good. Ouais parce que pareil voilà l'instinct de chasseur, ce qui me permet de mettre en surbrillance les loot, je ne peux l'utiliser que si j'ai toutes mes jauges dans le vert. Et vu que c'est la même touche associée pour marcher lentement, bah, il me spam l'info. Ok.
There you are. Ranger Ainsley's been looking for you, you know that? What's happened? I was hunting, looking for elk. One moment, I'm making elk calls. The next, I get shot in the leg. Someone must have thought you were an elk. I've heard this sometimes happens between hunters. Ugh, doesn't look too good. We'd better patch you up. I have some medical supplies back at my camp. No. Hold on. I should report to the ranger first, and then we'll patch you up. Ranger Ainsley, are you there? Je les ai, les bandages. I'm here, friend. Find anything? I've found the hunter. He seems to have been shot. He's stable, but needs some patching up. I'm on my way. Stable, vu le sang qu'il a perdu. Please try and offer any first aid you can in the meantime. Over and out. Ouais. Good day, good people. Let's take a look at you. Yeah, it hurts. I know, but you'll be all right. Good thing you found him when you did. Here, take this as a reward. I'll take it from here. Yes. All right, you two take care. Et bam, quête accomplie. 10 points de compétence. Nickel. Ah, en fait, je crois que je comprends. Je viens de comprendre un truc par rapport au... aux achievements à droite. Progression de la nature. Alors en fait, je pense qu'il faut il faut juste chill et explorer des spots et chasser de la bestiole. Et là, t'as des points. C'est vrai qu'on avait mis des points là-dedans. Vas-y. Alors soit j'augmente à mort la précision de ça. Ah, au bref. Vas-y. Comme ça j'ai la précision au max. Bon ben ça c'est fait. Alors me dis pas que c'est une quête principale et qu'il faut que je valide ça. Je pense pas. Bon, du coup, il faut que je redescende. Que je file à la caravane. On va les vendre. Alors ça, c'est le plan cul. Je pense que j'aurais pu faire ça autrement. Hein. C'est pas grave. Vas-y, c'est bon. Non, non, je pense pas que ce soit une quête principale. Hein. Clairement, c'est une quête bonus pour te forcer à explorer de fou. Mais bon, il y a quand même 100 colis à trouver. Et... Putain, il va falloir les chercher, hein. Bon, alors maintenant il faut que j'aille. Ah, mais je suis. Attends. Ah, ici je suis un peu loin quand même. Nord-est. Allez, full nord-est. Après, par contre, peut-être que d'avancer dans les succès de rang dans le jeu. Ça te permet d'accéder à différentes quêtes. Peut-être. Oula. Putain, ça m'a tellement fait peur. De toute façon, je suis blindé. Hein. Alors, peut-être que bientôt, on pourra acheter un sac.
Ce serait cool, hein, qu'on puisse acheter un nouveau sac. Ben, ça me fait mal au cul, mais voilà. Bon, faut que j'arrête de chasser, là. Ben, et c'est le petit matin. Il faut que je dorme. Au secours. Je prends. Non mais on avait les traces en fait. On avait les traces du fourgon. Fallait juste suivre le chemin. Non mais oui. Non mais attends, c'est pas ce chemin qu'on a suivi d'ailleurs de base ? Non mais je crois qu'on a suivi ce chemin et j'ai juste pas vu. Attends mais c'était devant le camping-car carrément. C'était devant le spawn. Dormir. Je crois qu'en active des quêtes, on pop à midi automatiquement. C'était juste là. Aveugleman. Hello. Oh là là, la moula. Je pourrais acheter des tenues, hein, mais c'est cher. Je suis quand même chaud d'acheter le kit de survie. Mais bon, 1500 balles. Hein. Tout est tellement cher. Chapeau de camionneuse. Parce que en fait en anglais ça casquette c'est cap. Enfin, c'est comme un chapeau en fait. Cap, c'est le même terme pour casquette et chapeau. Et les casquettes de cette forme-là, on appelle ça des truck cap. Et truck en anglais, c'est aussi camion. Vas-y, on va acheter les tenues. Triple là-dessus, non. RIP la thune. Bon. Hello. Ça c'est fait. Bon les mecs, je peux pas te parler. Ah. I'm busy with a regional effort to deal with some poacher problems. We've gotten orders to keep an eye out for suspicious activity. And how's that going? I'm glad you asked. As I have a special favor to ask, I need you to keep this discreet. I can be discreet, no problem. What's up? There's this new hunter that's settled over in Mellow Hills. Jerry's his name. He's taken up residence in the old waterfall cabin. I know he's been roaming the wilds day and night. Okay, nothing too far out of the ordinary for an outdoor man so far.
Yeah, I know, but he's been very elusive and squirmy the couple of times I asked him about what he's up to. Plus, given the current pressure on cracking down on poaching, I just can't take a chance on having a poacher right under my nose. Okay, gotcha. C'est avec les braconniers. So, how can I help you? Well, I need you to have a snoop around Jerry's cabin. The proper procedures are moving too slow, and I would just really appreciate it if you could go by his place and do some snooping around. See if you can find any hints or evidence of what he's been up to. Okay, this certainly is a bit of a strange request coming from a man of the law, but anyway, how am I supposed to approach this? I'd rather not talk over the details here. I think it's better if you go on down the Greenhoof Sanctuary and hit me up on the walkie-talkie. I'll tell you more then. Greenhoof Sanctuary, walkie-talkie, gotcha. Ouais, alors c'est un peu paradoxal de vous demander de faire cette quête, étant Hello. Donné que littéralement on est un braconnier. Hey. Je pense que même niveau munitions on est bon. Donc niveau quête, infiltration motorisée. Allez au garage pour quad. Ah! Bon, peut-être qu'on va débloquer le quad. Mais bon, en même temps, le quad, je pense que je m'en servirai pas beaucoup. Parce que bah si on... Enfin, ça, tout dépend en fait. Tout dépend de l'objectif. C'est vraiment pour aller à un endroit spécifique de quête et qu'on va aller vite. C'est bien, mais si on veut chasser, je le prendrai pas. Green Wolf, Amelo Hills. Ah bah c'est là. I should contact Ranger Ainsley. Rick Astley. Ranger Ainsley, do you read me? Hi, Ranger. You over by the sanctuary? Yep. What now? Now you're going to take the ATV for a drive up the river. That'll take you all the way up where Jerry's cabin's at. I think your best bet is to climb up the cliff along the side. Remonte la rivière. You want me to drive up the river? Yeah, ATV is good for a quick getaway, and as for the climb, trust me, if there was an easier way to get in, I tell you, it's the only way in. All right, does Amy know about this? Yeah, she owed me a favor. Just knock on her door and she'll set you up with an ATV. Donc là, elle va me filer le quad. Okay, cool. Well, aren't you the resourceful type? I'll get back to you later. On n'a jamais regardé les items au pavillon. Je me déteste. Sauf qu'il faut que je dorme. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas des bricoles à drop? Ouais. Ah mais il m'a niqué mes... bah oui, les bandages que j'avais. Bon, bah, je les prends. On a 11 bâches. Oh, faut que j'en vende. Ah oui, j'ai bientôt plus de place. J'ai bientôt plus de place. Bordel. Niveau balles, j'en suis où? Ah, j'ai plus beaucoup de munitions de carabine. Alors en acheter. Alors oui, il y a un bug avec les munitions. Donc là et là. Hein? Bam bam. D'accord, donc c'est pas un bug, c'est juste que j'ai vraiment plus de munitions. What? Ah! Voilà, c'est débugué.
Du coup, faut parler à... Non ? Ah, faut directement aller au garage ? Attendez, faut que je dorme. Et du coup, je vais faire ça de nuit. Je déteste ma vie. Ouais, il y a un petit bug la dernière fois, ça m'a valu de batailler pendant 10 minutes. Donc je trouve la solution pour débugger. Ah, et là on a le quad qui est devant, qui nous attend. Faut parler à Amy dans le garage. Et elle est là. Juste, je check un truc avant. Je vais pas m'énerver. Bon là, c'est win, hein. Sauf que ça, on peut pas y accéder. Plus tard, peut-être. Bon, après, le pilotage du quad est un peu à la zob. Et la caméra est infecte, je trouve. D'accord, on m'a juste filé les clés. Pour écraser les animaux avec. Ah, peut-être. Mais bon, à mon avis, les animaux, ils t'entendent arriver. Ils courent dans tous les sens. Descendez le ruisseau en quad. D'accord, donc c'est ça que je dois faire. La vieille cabane des chutes. Qui doit se trouver par là, du coup. Jusqu'au vieux barrage, ok. Donc ça doit être ici, là. D'accord. Let's go! Oh bordel. Bam, se prendre dans la tête. Bon après heureusement. Oh là là, bah oui, bah voilà, il y a de la bestiole à chasser, bordel. Forcément. Ouais, heureusement il n'y a pas de gestion d'essence. Hein. Non mais il n'y avait vraiment pas d'autre solution que d'y aller en mode gros américain en quad à travers ruisseau. Sauf qu'au vieux barrage on y est déjà allé. Hein. Et à pied. Hein. Bon certes c'était une expédition de l'enfer mais on a réussi. Hein. Non, mais attends, j'ai fait de la merde. Oh putain, je suis parti à l'opposé. Mais je me... Putain, j'étais dans la bonne direction, en fait. Je suivais l'eau à contre-courant. Sauf que je me suis fait bait par la boussole et la caméra. Désolé. Non mais c'est ça. Hein. C'est les épreuves de Clutch Nixon dans Far Cry 5. La caméra est presque gerbe trop. Hein. Non mais genre, il n'y avait aucune autre solution pour y aller. Ouais. Ah, remarque, c'est loin. J'avoue, c'est loin. Attends, mais d'où on y est déjà allé, en fait? Ah, mais c'est là où on était... D'accord, ok.
quand on cherchait l'autre gars là. Merde. Et je me disais, le spot me parlait, mais. Mais en fait, on y était il y a 10 minutes. Au secours, au secours. Oh ouais, la caméra, c'est Gerbautre. Ah mais c'est le tuto pour te montrer que le quad c'est trop bien. Non, on peut pas écraser. Je confirme, on peut pas écraser. Je répète. D'accord. Visiblement on peut pas vraiment se péter la gueule en quad. Et je répète, le lapin ne s'est pas fait écraser à 3 reprises par le quad. Ah bah c'est un petit jeu hein. Non mais franchement, genre quand tu tapes une chute de 3 mètres, genre ça nous est arrivé, genre on avait le jeu qui nous dit ouais tu t'es foulé la cheville et en fait avec le ragdoll je me suis pété la gueule et je suis mort en fait. This looks like the place. I should look for a way to climb up. Oui non mais attends mais mon quad. Mon quad du coup. Heureusement que le perso se parle tout le temps à lui-même pour se dire ce qu'il faut faire. La vieille cabane des chutes hein, qui est de l'autre côté. Alors est-ce que je peux faire ça? Tout à l'heure je me suis posé la question. Il veut pas? Il veut pas. Ah si, il m'a mis de l'autre côté. Oh, il m'a fait pop de l'autre côté. Oh l'arnaque. Normalement j'étais censé faire tout le tour. Oui, alors attends. Oui, parce que ici il y a des loups. Des loups immortels d'ailleurs. Ah non, mais ça c'était une belle arnaque. Hein. Mais c'est quand même une quête un peu à la con. Parce que vraiment. Ouais, il y a un braconnier. Ouais, c'est pas bien. Il faut le calmer. Sauf que bon, bah toi, t'es littéralement en train de dégommer toute la faune locale. Ah, je crois que j'ai vu un. Boîte aux lettres. Attends, parce que j'ai vu un truc par là. Non. Non. Parce que à défaut de chasser, on va ramasser. Oh là là. Ils vont nous faire analyser plein de trucs. Et il y a un loup. C'est le pire endroit. Pour le moment, personne ne semble avoir découvert mon activité. C'est à la fois excitant et mystérieux. Je dois faire preuve de prudence. Pas ici, donc là où on est. Pas là, pas ici. Donc c'était à droite de Eagle, je sais plus quoi là.
et une photo sûrement de lui avec deux chiens. Well, looks like he's been moving around discreetly. Suspicious, but not incriminating. Après ça va, notre perso il est lucide, hein. Le perso a l'air assez lucide en fait. J'aime bien le raisonnement qu'il a. Non, bah là comme il dit, ouais, ça l'incrimine pas pour autant, quoi. Enfin c'est enfin, le mec il. En théorie quand on a la musique mystérieuse, c'est qu'on a des trucs à voir. Sauf que il y a des loups. Ah. Ouais. Quand même. Respecte-moi un peu. Ok. Les régions situées entre Meloise, la vallée de Tumulus et Snow Ridge, bien qu'abritant peu d'âmes depuis des générations vu leur nombre de résidents exposés avec les réfugiés de la guerre civile, et plus particulièrement les déserteurs de tous bords. Il existe plusieurs récits historiques attestant de la coexistence pacifique entre anciens unionistes et confédérés venus s'installer là, désabusés par les prémices du conflit. Looks like Jerry's in the local Civil War era history. Not exactly poacher profile material. J'ai oublié de. Ranger Ainsley, are you there? I'm here. How's the little investigation going? Oh putain, y'a un loup. Listen, Jerry may be eccentric and mysterious, but a poacher, I think he is not. Did you find anything out of the ordinary? Well, the fellow seems to be passionate about the local history during the Civil War era. Au secours, la pluie. But no signs of poaching action. Well, okay. Thanks for the help. Appreciate you being back. J'ai mal le Bon, du coup, j'étais un peu en stress de me faire bouffer le cul, donc j'ai pas trop suivi. Mais genre, bientôt, la nouvelle série, l'expert du garde forestier, j'avoue. Hein. Ah mais c'est abusé quand même les loups. Hein.
Oh non! Oh non! Oh sa mère! Bah ouais. Alors que c'est l'eau du barrage. Ah. Et là, l'eau elle est bonne. Ce qui n'a aucun sens. Ah ouais, bah du coup, à part que je claque un. Mais il est où le quad? Dis-moi que l'eau là, elle est bonne dans ma gourde. Oui. Il est où le quad? De l'autre côté? Non, il est là. Bon, il faut que je ramène le quad du coup. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Oh, vas-y, je vais devoir claquer de la thune pour un médicament. Genre, j'ai fait un barrel. Un barrel non voulu. Bah alors là, hein. De nuit, quel plaisir. Ouais, la tempête était stylée, ouais. Bon, je trouve que le bruit de la pluie, c'était plus un gros bruit de. Une sorte de gros bruit blanc. Pourquoi je dois ramener le. Ah, le jeu, il me fait aller au pont effondré. What the fuck? Bah je speedrun hein, parce qu'en fait avec les parasites. Non mais vraiment. La jauge de la faim baisse plus rapidement je crois. Alors s'il te plaît ne te bloque pas. Je vois rien, hein, désolé. Je fais des figures stylées. Hein. C'est mon esprit de rider, ça. La physique est un peu à la zobe, mais pour être déjà monté sur un quad, en vrai ça va. Ça reste quand même. Le pilotage du quad reste un peu cohérent. Pour de lourdeur quand on veut tourner. Bon, on y est. Et alors ? C'est correct. Ah, d'accord. Je vois pourquoi ils me font venir ici. Ah oui, non, mais c'est chiant ici. Non, mais oui.
Je connais très bien cet endroit. C'est là où on était bloqué. Ouais. Ah non, mais on est de retour ici. Ok. Au secours, au secours, au secours. Non mais... Je contrôlais plus rien. Au secours. Il n'y a pas des phares sur cette merde ? Parler à Hensley au pavillon. What? J'ai pas un remède. Non, une plaie ouverte. Oui, il a disparu. En fait, quand, à partir du moment où il fuit, c'est genre, il pop au bout de... Enfin, il dépop au bout de 10 mètres. Hello. Attends, toi, faut qu'on parle. Vas-y, hop, 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 camping car, j'ai trop de bâches. Bon, l'un des 5. Bon, on a remonté un peu les thunes. Antiseptique. Non, elle vend pas de quoi faire un remède pour enlever les parasites. Putain. Oh, et c'est long à passer en plus cette merde. Je suis en train de claquer de la thune comme un connard. Hein. Là, il n'y a pas de remède. Après, le remède, on peut le crafter. Oui, d'ailleurs, en fait, il y avait l'histoire du point rouge qu'elle nous repropose, mais on l'avait déjà acheté. Donc, Hey, hello. Hello. Je vois s'il est encore équipé sur la carabine. Attends, on avait ramené le quad à Amy. Oh, hi there. Say, have you done much fishing? Hi, Ranger. Gary. Well, not much. I've always been a city creature. But I'd love to give it a swing. I assume you guys are pros. Most of my greatest catches end up as trophies, so you have proof. Tell you what, I've got some time to spare. I'll teach you a thing or two about fishing. But you'll have to put in practice yourself. Sounds good. Thanks, guys. La pêche. First, you need bait. Hello. Elle me vend pas une canne à pêche.
Non, parce que j'ai vu qu'on pouvait se crafter une canne à pêche de fortune, mais je veux une vraie canne à pêche directe. Hein. Y a pas moyen. Oh, la pêche. Hey. Hello. La pêche. On a l'objectif de Kate qui est toujours sur le quad. Je vais pas m'énerver. Ouais, la pêche. Une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce jeu. Hein. C'est à force de pêcher dans Stardew Valley. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être te prendre un jeu où la pêche elle est un peu plus crédible. Faire tomber des pierres au sol le retourne, ce qui pourrait déterrer des vers. Fabriquer un bâton de pêche. Putain, j'ai pas le choix, ils vont vraiment m'imposer ce craft nul. Hein. Une corde, une branche, une hachette. Une corde, une branche, bon ça j'ai. J'ai des verres. Voilà. Alors, il y a une durabilité. Je trouve que c'est une durabilité nulle à chier. Ça pèse combien 2 kilos. Je vais en crafter deux d'office. Je vais en crafter deux d'office. Comme ça, je sais que j'ai de quoi. Et ça, je le range. Même la carabine, il y a moyen que je la range. Je garde juste le gros fusil au cas où je me fais emmerder. Ah, le point rouge est activé. Bon, faut que je bouffe. Ah ouais, mais les parasites de ces morts. Ah ouais, la jauge de faim qui descend tellement vénère. Bah tant pis, on va le faire de nuit. Hein. Oh, oh la jauge de faim. Deux kilos pour une canne à pêche comme ça, j'avoue. Hein. Après, on se rend pas forcément compte des poids. Hello. Hello. Genre quand c'est des petits poids comme ça, on s'en rend pas forcément compte. Genre une planche de skate, c'est léger quand tu prends juste une planche genre nude, enfin sans les trucks et compagnie. Et en fait, ça pèse entre 1000 et 1500 grammes. Hein. Donc entre 1 kg et 1,5 kg. Hein. Et pourtant quand tu la prends, t'as pas l'impression.
Bon, je suis obligé. Hey, hello. Yes, oui, obligé. Putain de parasite. Ah, la viande crue donne des parasites si elle est consommée trop régulièrement. Ok, on va s'en tenir à ça. Après, on peut regarder le craft hein, pour... Ouais, échinacée, frites d'épines vinettes. Bon, y a peut-être moyen de trouver ça vite fait, là. En même temps, j'ai pas envie de perdre trop de temps. Là, on parle de mecs qui vont chasser dans la nature, etc. Ils sont donc costauds. Ouais, mais bon, tu peux être costaud, mais... en termes de constitution... Genre, si en termes de bactéries... T'as un genre des trucs trop vénères. Bah, tu seras forcément. Dans le mal, hein. Ok, je vais juste faire un aller-retour pour déposer ça. Ah ouais, mais faut pas que je cours. Putain. Donc là, en gros, on a encore allez, une dizaine de minutes, le temps que les parasites partent. Putain, mais j'aurais niqué de la thune à balle. Oh, il y a masse truc, là. Caisse de corde. Vas-y, au pire, ça se vend. Stockage d'avant-poste, d'accord. Et en fait, ici, on pourrait déposer des trucs. Et si, admettons, on y passe... mais que, par exemple, on s'était pas TP ici de base. Et que du coup, le camping-car n'est pas là. On aurait quand même du stockage ici. Donc, à l'avenir, c'est quand même pas con de prévoir le coup de... Bon là je fais mon sac à merde et je ramasse tout pour le vendre hein, mais et c'est vrai que à un moment donné il faudra et j'ai plus de place. Okay. Ok. D'accord. Je comprends la logique. Non mais là en vrai il a bu de l'eau croupie, il a la chiasse, du coup ce qu'il ingère, il n'est pas assez bien traité par le corps et ça se démontre par le fait qu'il perd justement ses ressources nutritives plus rapidement. Donc c'est legit. Et je peux pas prendre le quad. Hein. Oh. Oh. Ouais, mais la prochaine fois, parce que là, on a la pêche. La pêche. Je vais aller pêcher avant la fin de la VOD du stream. Cool. On a les épreuves. Alors, du coup, ils m'ont dit, ouais, ferais-toi un chemin jusqu'au vieux quai. Les vieux quais, c'est où? Non mais en fait, j'ai l'objectif de quête. J'ai l'objectif de quête qui est buggé. Ah putain, c'était là. D'accord. Je me disais aussi que c'était bizarre qu'il me fasse pop ici. Non mais j'ai l'ancien objectif de quête qui est buggé sur le garage à quad.
façon légendaire. Oh, il doit y en avoir. Je trouvais ça bizarre aussi. On doit aller là. Let's go. Bon, après, il y a un monde où... Il y a vraiment moyen que... ce jeu-là, en fait, je m'accorde des petites sessions pour moi dans mon coin. Ah non, mais what? J'ai autant de tissus? Attendez. Je me disais aussi, pourquoi je pesais aussi lourd? Enfin, 15 000 allers-retours. Hello! Hello! De toute façon, ça répop ça. Donc c'est pas grave en soi. Bien, j'ai remonté en tunnel. T'as vraiment pas de bouffe à me donner là? Je peux pas bouffer les croquettes du chien, faut pas déconner. Hey. Okay. Hello. Hello. Alors, vu qu'on doit quand même bouger à pied, je me tâte presque à reprendre la carabine hein, pour chasser. Mais bon, vu que un tissu ça pèse 1 kilo, un poisson ça va peser combien? J'en suis où là? 24 kilos. Sinon, Osef du tissu. Je prends le risque. Pareil pour les bandages. Là, par contre, j'ai pas moyen de. Il est où mon fusil? Ah non, mais mon fusil, je l'ai gardé sur moi. Et j'ai pas les munitions, du coup. Putain, quel idiot. Ouais, en vrai, ça va. J'ai de la place. Alors, plein est. Et pas des baies. Je vais attendre que la chiasse passe et je vais me gaver de baies. Ouais, la dernière fois, c'était la première fois qu'on explorait les montagnes. Là, on était sur la map tout à l'heure, là. Et putain, et j'ai eu ça et je galérais et j'avais plus de bouffe et du coup j'étais obligé de faire un reset pour. Pour faire un meilleur start. Hein. Attends, champignons. Je peux peut-être me gaver de champignons. De toute façon, on a déjà la chiasse. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Donc là, ici, c'est vraiment l'endroit du tuto. C'est vraiment au tout début, on devait aller là pour crafter une petite tente de fortune, faire du feu. Mais ouais, encore une fois, moi, le système de craft, je suis pas immensément fan. Ah ouais, le champignon qui me donne à balle.
putain. Aider. Je suis vraiment une raclure de vidéo. Ah, champignon, champignon. On avait déjà un peu exploré ici. On n'avait rien trouvé de particulier, mais vu que maintenant on a, oh putain, maintenant on a les courriers à choper. Bah tiens. Non ? Attends. Attends, parce que s'il y a ça ici, là. Ça veut peut-être dire qu'il y a un courrier quelque part. Ah, attends. Non, vraiment ? Non, mais vraiment ? Non mais vraiment ! Et là il est tombé dans ce trou là, le colis ! Et il s'est posé tranquille sur un rocher ? Mais en fait, il va falloir faire tous les points d'intérêt. Ah, et je suis le pire, hein, parce qu'à chaque fois, toutes les quêtes... Hein ? Ah, c'est une souche d'arbre, non mais vraiment. Je crois que c'était une sorte de coyote qui me regardait. Non mais je suis le pire hein, parce que toutes les quêtes je les fais quand il fait nuit. Ah mais j'ai 10 points de compétence. Au fait. Ah ça réduit le bullet drop ça. Ouais, ça c'est pas mal. Ça consomme beaucoup, je trouve. Ouais. Et c'est ça pour le coup, le jeu te l'introduit pas du tout, ce système d'arbre de compétences. Et c'est vraiment en fouinant dans les menus que j'ai repéré ça. Tu me n'as pas. Putain, je vois rien. Terrible. C'est pas des baies, ça ? Oh, les baies. Les baies à balles. Ah.
There it is. Ah ok, il mettait des, il mettait les ressources exprès ici. Si jamais j'étais en galère. Oula. Ah, il me donne des appâts vivants. Appâts artificiels. Oh. Ouais, voilà. Faut que je fasse quoi? Monter sur le bateau. Ok. Let's go. Maybe I should check my map again. Voyager vers le pont de pêche. Le point de pêche, pardon. Ok, mort dans l'ost. Localiser l'écume. Ouais, non, mais sauf que là, il fait nuit. Donc, comment te dire que je localise rien du tout actuellement là? This looks like the place. Non, mais on voit rien. On voit rien, il va se passer un truc, on saura pas. Ah ouais, mais y a pas d'écume là. Bah vas-y hein. R2 pour ferrer le poisson lorsqu'il mord. Je vois rien. J'ai l'impression de voir un truc, mais je suis pas sûr. Ah non, le problème c'est que de nuit c'est la merde en fait. Je fais R2, il se passe rien, donc a priori En fait, je sais pas si c'est mon appât ou si c'est un poisson que je vois. Faut que je pêche 3 poissons, hein. MDR. Même barque que Stardew Valley. Ah peut-être hein. Ah mais des fois ça gigote tu vois, et je me demande s'il me bullshit pas sur la touche. Là, des fois ça bouge. Attends. Je vois encore moins rien. C'est bien. Je sais pas si ma manette va se mettre à vibrer, si je sais pas. C'est rien.
Surtout, je sais pas si, si admettons, je deny là et que je récupère ma canne à pêche. Est-ce que l'appât est considéré comme consommé? Ça a l'air compliqué. Ben, c'est surtout qu'on voit rien, donc... Ah, j'ai pas accès au sac à dos, d'accord. Je fais ça de nuit, hein. Peut-être que de nuit, il y en a pas. Bon, je pense que si, quand même. Bon, de toute façon, le jour se lève bientôt. Ah ! Il y en a un. On le voit. Et là, on n'a pas la jauge qui apparaît, donc je pense que tout à l'heure, c'était bugué, hein. Oh mais ça va, c'est simple. 2,6 kg. Ça va, c'est simple. Entre bâton et canne à pêche en position assise dans le bateau. Ouais, sauf que j'ai pas... Ça a l'air relativement simple en fait. Ok, là il y a un poisson. Bon, parce que c'est un poisson de merde après. Hein. Ça se trouve. Mais là, on n'a plus la jauge verte à côté. Ok. Bon, faudra expérimenter. Hein. Ok, on en a un autre. Faudra essayer des trucs. Je pense que tout à l'heure c'était buggé, mais la jauge en fait elle sert vraiment à mon avis à... Enfin j'en sais rien. Enfin... Vas-y hein. Je ramène du poisson. Hein. Parce que là il me parlait de pas trop tendre la ligne. Mais je vois pas en quoi je la tendrais trop. Yeah.
C'est peut-être même un peu trop simple. Bon, par contre, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement aller à un autre spot. Ashigan a petite bouse. Le doré jaune, il est là. Eh, on va essayer de choper un doré jaune. Plein nord. Après, ça se trouve, il y a des conditions météo spécifiques. Ah, là, il y avait du poisson. Oh, le doré jaune. Là, ça montre qu'il y a du poisson ici. Si j'ai bien compris. Donc là. Non ? Non. J'ai peut-être rien compris. Hein. Mais j'ai pas accès au sac à dos. Putain, j'ai pas accès au sac à dos. Attendez, on retourne là-bas. Est-ce que ça serait pas full bug? Non. Oh. Vas-y, j'y retourne vite fait. J'ai de la place. Mais attends, remarque-nous. On est où? Donc plein sud. Mais bon, à mon avis, le doré jaune, il nous faut une canne à pêche. Hein. Par contre, c'est un peu merdique que tu puisses pas te nourrir quand t'es sur le bateau. Je crois que c'est buggé. Hein. Parce que le jeu m'a donné plusieurs infos. Et je peux pas accéder genre à différents appâts. Je peux pas accéder aux inventaires de pêche, etc. Enfin bon bref, à mon avis c'est... C'est un peu broken là. Là si j'avais su, je serais resté à l'autre spot. Hein. Vas-y, c'est peut-être scripté. Hein. Bon, on a découvert la pêche. C'est pas bien compliqué pour du poisson à la con, mais à mon avis...
Ouais, y a pas mal de poissons qui vont impliquer certains appâts ou... Du coup, j'en suis où des inventaires ? Ok, j'ai de la marge. Donc, ce qu'on va faire, on va équiper ça. Et il faut que j'aille plein ouest pour rentrer. On va essayer de choper un peu de gibier au passage. Oh ben, il y avait un colis. Bon, bugué certes, mais un colis quand même. J'ai le tuto qui est buggé, vraiment. Bon. J'espère que le bug va disparaître pour la prochaine fois. Quelle sauvagerie. Et le chien, au fait. Ah mais c'est là qu'on avait ramassé le courrier. Après il y a peut-être un spread logique sur les courriers qui sont répandus. Hein. En théorie, l'avion il ne fait pas des moves en zigzag, surtout quand il est en train de se péter la gueule. C'est vrai que le aim assist en quickscope, c'est utile. Hein. Ah mais faut que je me rembourse toutes les boîtes de conserve à la con là. Oh des baies. Oh moult baies. Oh là là. Putain 10 kilos quand même le poisson. Hein. La braconnerie, une grande passion.
Donc j'espère que le poisson a de la valeur. Ah oui, d'accord, je suis blindé. Ok. Bon. Ça règle le problème. Yes. Ah oui, j'ai quand même plus d'endurance maintenant là. C'est bon ça. Alors nous allons dormir. Bon Marc. Faut peut-être valider la quête avant. On va valider la quête avant. Ça on va vendre. On garde nos baies. Comme ça on pourra dormir et se gaver de baies au réveil pour... pas bien. Scooter de moi. Attends. Hello. Je garde le poisson. Oh, il est sous, hein. Hey. Attends, hello. C'est pas lui que je devais parler? Ah non, Gary, c'est lui. Pardon. Well, I got all the fish that you asked for. Welcome back, Buckshot. Your rites of passage are complete. You may now consider yourself a fisher. Don't forget that you can buy more rods and lures from Nancy. Ah, des cannes. Ah, thanks yes. for all the help to you and Ainsley. Take care, Gary. You too, Buckshot. Ok. Et 10 points de compétence. Ok, donc on va s'en occuper tout de suite d'ailleurs. Avant que j'oublie. Qu'est-ce qu'on peut... Ah, on peut up un peu la résistance. Ah, furtivité, remarque. Vas-y, hein, furtivité. Ah, consommation j'ai d'endurance hein. Ah ça c'est bien. Quand on est dans le mal, c'est bien d'investir là-dedans pour perdre moins de vie. Ah alors ça oui. Et on va claquer 2 points au pif. Là, vas-y. Comme ça, ce sera fait. Ok. Est-ce qu'elle m'a laissé mes poissons? Oui. Ah ouais, d'accord, ok. Il m'a pris quand même les 3 viandes de poisson que de la quête. Mais le poisson a la même valeur que la viande. Le gibier. Pas mal. Les poissons, c'est ce que je viens de dire. Les poissons ont la même valeur que... que la viande. De base. Bon, il paraît qu'elle me vend des cannes à pêche, mais... pas pour de suite. Dommage. J'étais bien chaud de... Hey, hello. Bon, on va se téléporter. Juste pour dormir, bouffer. Ouais, on avance dans le scénario aussi. Bon, je me téléporte là.
toute façon, là, je vais juste dormir, bouffer et me re-téléporter au pavillon. Comme ça, pour la prochaine fois, si au pire, je joue pas en off pour chasser un peu comme ça pour plaisir, eh bien, au moins... Ah, j'ai même dormi un poil en trop. Mais putain, ouais, et la bouffe et l'eau qui... Ils n'ont pas tant baissé que ça. Bon, je vais vendre les baies qui me restent. Remarque. Peut-être pas. Non, mais normalement, normalement là, ça save. Ça save. Donc on va s'arrêter là. Des bisous YouTube. Et à très vite pour la suite de nos aventures. Terrible.